an ancient starship buried in the sand. Deep inside the ruin was a single stone that would change the course of our history forever. It appears to be an Imperial broadcast. The Bentusi said, "No one returns. If you will not join, then die." The enemy mothership appeared to be equipped with a powerful field generator. "Again, we offer you the chance to join us and live here." Oops, on a tué l'ambassadeur! After analyzing the data we collected from the Kartoba sister ship, we've been able to determine what happened in the nebula. While the Kartoba was able to limp to Karak, this ship instead must have tried to hide here. They soon resorted to preying on ships passing through the nebula. In time, the nebula became off-limits to all shipping. They developed hyperspace inhibitor technology to trap prey from far away without leaving the safety of the nebula. Eventually, it became the center of their existence, and ultimately, their religion. Anomaly detected. Override engaged. Sensors detect a vessel here. It doesn't match any of the profiles we have encountered. Send in a team to investigate. We are detecting various ships surrounding the alien vessel. They appear to be inactive. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite des aventures de Belruc dans l'espace infini, vers l'infini et l'au-delà. Et tout de suite, nous allons aller envoyer l'escadrille 1 se promener, aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas, tout là-bas. Parce qu'apparemment, il y a une anomalie, donc on va y aller, on va s'approcher et voir ce qui se passe avec nos intercepteurs, nos vaisseaux super méga rapides, mais super pas costauds. C'est quoi ça? On sait pas ce que c'est. En tous les cas, on va aller voir ce qu'il y a là-bas et on va voir ce qu'il y a là-bas. Ah, des vaisseaux. Comment ça aussi le combat? Oh là, dégage. Mais quoi ce bordel là? Attention, those ships are operational. We believe the control center is the alien vessel. It should be neutralized. Ok. On va faire ça. Non, mais dégagez, bande d'abrutis! Mais ils sont cons dans l'escadrille 1! Mais ils sont cons! C'est les plus bêtes qu'on a mis dans l'escadrille 1. Bon, on a perdu la moitié des vaisseaux. Ah bah c'est con alors! Comment qu'on va faire? Bon, on va déplacer le groupe 6 dans un premier temps. Strike group coordinates locked in. Notre groupe de gros vaisseaux avec notre destroyer chez nos frégates, on va voir ce que ça peut donner. Ça. Bah, s'ils arrivent à faire demi-tour sans se foncer dedans, c'est déjà bon, hein. Ok, on arrive à distance. Il y a une frégate d'attaque. Ok, toute là-bas, on va envoyer une frégate. On va envoyer une frégate d'attaque pour essayer d'attaquer une seule. Ok, on envoie la frégate toute seule, on va voir ce qui va se passer. A priori les vaisseaux étaient inanimés, il y en a deux. Étaient inanimés, ils se sont réveillés quand mes autres vaisseaux sont arrivés. Donc on va voir ce qui se passe. Ah, pour cher. Dégage. Il y a un destroyer missile.
Il y a un destroyer missile. Ouh, faut que je le récupère, lui. Faut absolument que je récupère le destroyer missile pour le mettre de... Waouh, c'est trop puissant, ça. Il faut que je récupère un destroyer missile. Destroyer missile, il faut que je le récupère. Bon, lui, il faut que je le répare, par contre. Confirmed. Roger. Alors on va essayer de capturer le destroyer missile. Pour ça, je vais envoyer des corvettes de récupération. Normalement, je crois qu'il en faut 4 pour un destroyer. Mais ça va être coton. Enfin, ça va être coton. Il faut qu'on détruise des frégates et qu'on puisse pour pouvoir récupérer le destroyer. Ça va être compliqué là. Waouh, il y a quoi? Frégate multirayon. Il faut qu'on réussisse à les attirer en fait vers moi. Okay, on va attendre que la frégate soit réparée par le vaisseau de réparation. On a pour un petit moment. Là, il y a beaucoup de pansements Hello Kitty à mettre sur le vaisseau. Ça fait ce son là, c'est on a vraiment l'impression qu'il tire sur le vaisseau en fait. Hein. C'est perturbant. Alors, on va essayer de faire avancer le groupe 6. Tout doucement. Pour essayer de les attirer. Strike group coordinates locked in. En fait, là, ils ont l'air d'être inactifs, les vaisseaux, et dès qu'on s'approche, ils sont actifs. Frégate avec... Ok, il y a une autre frégate à écran ionique, il y a plein de frégates, quoi. Ok, on va avancer tout doucement, et dès qu'ils font feu, on va faire demi-tour, et repartir dans l'autre sens. Voilà, attends, on va faire un truc. On va tirer d'ici en fait. Ouais, on va faire ça. On va leur tirer dessus et on va revenir dans l'autre sens juste après. Wow. C'est bon? Vas-y, tire encore une fois. Non, ils réagissent pas. J'essaye d'attirer leur attention en fait. Non, pas trop près. T'avances pas trop. Nickel. Strike group attack order confirmed. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est délicat, on va dire. Tiens, parce qu'il réagit pas le machin. Destroyer missile. Si, réagis, dégagez, éjection. Est-ce que je peux pas leur envoyer, justement, pendant qu'il est focus là-dessus, est-ce que je peux pas envoyer cela? Vas-y, foncez, groupe tout. Allez-y, à fond, à donf. Non, c'est trop tard, groupe 2. Non, c'est trop tard. En fait, il faut que j'ai des attaques. En fait, il faut que j'envoie ma flotte quand Sucy a focus mon groupe. Il faut que j'envoie le groupe 2.
Ok, nickel. On va réparer par contre, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont pris cher. Voilà, ceci par exemple. Ici aussi, donc on va réparer, on va refaire l'opération. Mais il faut vraiment que j'envoie les corvettes de récupération quand le gros destroyer missile a focus mes unités en fait. C'est juste à ce moment-là qu'il faut que j'envoie mes corvettes de récupération pour capturer le destroyer missile. Sinon, ça va pas le faire. Repair order confirmed. Sinon, c'est les corvettes de récupération qui vont y passer en fait, qui vont être attaquées par le destroyer missile. Ok, tout le monde est réparé, on va pouvoir balancer la sauce sur la frégate et on va faire avancer un petit peu ceci, pas trop. Et il faut absolument que les petites corvettes de récupération sautent sur le destroyer missile quand il commence à tirer sur le groupe 6. Eux, ils sont bons normalement. C'est pas comme les pilotes de l'escadrille 1. Eux, normalement, c'est des bons. Normalement, c'est des bons, eux. Ok. Moving to destination. En plus, ils vont plus vite, le groupe 2. Donc, voilà, ils ont commencé à tirer. Allez-y. Ils tirent. Vas-y. Foncez, les filles. Prends cher mon destroyer. Yes. Allez-y. Yes. On l'a capturé là ou pas? Oui, non? Yes. Yes. Trop fort on est. Yes, on va avoir un destroyer missile. Opération. Récupération de je sais pas quoi, faut donner un nom normalement débile aux opérations. Là j'ai pas d'inspiration, mais en tous les cas l'opération était un succès total. On va réparer notre destroyer pendant qu'on y est. On a vu le vaisseau bizarre là aussi, donc on va se méfier. J'ai toujours adoré le destroyer missile dans Homeworld, c'est un de mes vaisseaux préférés. C'est le vaisseau, il est gros, il est puissant et il peut faire très mal et il est super utile contre les petites unités en fait. Parce que les petites unités elles sont super dures à abattre normalement, mais lui vu qu'il tire des missiles, eh ben il peut s'en débarrasser assez facilement des petites unités. Capturation. C'est un nouveau mot français. Oui, je sais, c'est du mal au regard. J'ai ramené le groupe 1 de chasseurs, d'intercepteurs plutôt, c'est comme ça qu'ils les appellent, pour voir un petit peu, pour essayer de scruter ce qu'il y a devant, de repérer, de spotter ce qu'il y a devant, parce que je sais pas du tout ce qu'il y a devant et j'ai pas trop envie d'envoyer mes grosses unités devant. Strike group moving into position. Strike group coordinates locked in. Ok. Y'a que ça ? Strike group coordinates locked in. Engage capital ship. Bah attends, ça va prendre 10 ans avec eux. Y'a que lui ? Bon, envoyez une frégate alors. Tranquille. Ah, je pensais qu'il y en avait vachement plus que ça. Ok, d'accord. Mais le jeu s'adapte en fait à la puissance de la flotte que vous avez. Donc vu que j'ai pas une grosse flotte, je pense qu'il m'envoie pas trop, qu'il m'embête pas trop. Parce que j'ai dans mon souvenir des parties à ce niveau-là qui étaient beaucoup plus complexes, où j'ai eu beaucoup plus de mal à m'en tirer, il me semble, dans mon souvenir. Et d'ailleurs, la petite histoire, Homeworld 1, hein, je crois que j'ai jamais fini la mode campagne. What? Mais non! Arrêtez! Mais arrêtez! Non! Group 1 reports victory. What? Ok. Donc je peux pas approcher mes vaisseaux lourds. Ok, d'accord. On peut pas approcher avec nos vaisseaux lourds. Ok. Roger. Bah écoute, on va envoyer
On va envoyer l'escadrille des 4 là, des corvettes. Des corvettes Mutirol ou je sais plus quoi là. Comment elle s'appelle là. Docking underway. Non, docking, je veux pas docker là. Copy. Je veux pas docker cela, arrête. C'est chiant quand on a un collecteur de ressources, un contrôleur de ressources parce que les vaisseaux veulent docker là-bas. Copy. Alors que non, moi je veux qu'ils dockent au vaisseau mère. Et je crois que j'avais tous les vaisseaux de sélectionner sur en plus, le boulet. Hop. Donc, ah oui, j'ai tous les vaisseaux parce qu'ils sont tous en train de... Bon, on va attendre qu'ils ressortent alors du coup, fin. Le boulet, je les ai tous fait rentrer. Et mon beau destroyer missile, ou que je l'aime lui. Il est beau. Il est beau mon destroyer missile. C'est le plus beau. Avec sa tête de marteau. J'ai toujours pensé qu'on trouvait qu'il ressemblait à un requin marteau, ce vaisseau. Mais il est franchement super efficace, super plaisant. J'ai enfin réussi à emmener l'escadrille 4 après avoir eu de pas mal de problèmes. Parce qu'en fait, je crois que verrouillage caplocks, en fait, la touche pour activer les majuscules, et il me semble que ça active la sélection de tous les vaisseaux, d'où quelques petits problèmes. Ok. Bah c'est ce que je fais, je concentre là, hein. Je concentre le tir, monsieur. Je ne fais que ça de concentrer. Je suis hyper concentré là. Ils m'ont fait peur eux parce qu'ils sont passés devant le. Non, refaites pas ça. Ils se passent les uns devant les autres juste au moment où ils tirent. Mais ils sont malades, ils vont se tirer les uns sur les autres. Faut pas faire des choses pareilles, les gens. Ou pas. Alien vessel neutralized. Our crews have regained control. Send a salvage team to further investigate the alien ship. Ok. Bon, apparemment c'est bon. Nickel. Restez là au cas où, les gens. Et apparemment, faut que j'envoie une corvette de récupération pour récupérer des données, des data. J'aime bien les corvettes de récupération. J'aime bien piquer les vaisseaux sur les flottes ennemies. J'aime bien faire ça. Mais c'est tendu. Et c'est pas forcément. Faut pas forcément avoir une grosse flotte dans le jeu. Parce que comme je vous disais, le jeu s'adapte en fait à la taille de votre. À la taille de votre flotte. Et la difficulté s'adapte à ça. Donc du coup, c'est pas forcément utile d'avoir une très grosse flotte, parce que sinon vous allez rencontrer de très grosses flottes ennemies aussi, qui vont vous foutre la pâtée. Vaisseau ennemi qui apparemment capturait des vaisseaux qui passaient, et prenait le contrôle et les manipulait en fait. Donc c'était une espèce de d'entité intelligence artificielle, je sais pas. Des Borg. Et c'était peut-être des Borg pour ceux qui connaissent Star Trek. Hein. Et toute résistance est futile. Les Borg qui sont d'ailleurs peut-être les plus gros méchants qu'on a eu ces dernières années au ciné, parce que les Borg, on peut rien faire contre eux, comme ils disent, toute résistance est futile. Et les autres ennemis, il y a toujours moyen de les défaire, tandis que les Borg, bah non, on peut rien faire contre eux, parce qu'ils s'adaptent. Quoi qu'on fasse, ils s'adaptent. Et c'était peut-être les plus grands méchants qu'il y ait jamais eu au XXe siècle. 21e, je sais pas si on a eu des Borg au 21e, mais au 20e siècle. Je sais pas, au 21e, on a eu des Borg. Non, on n'a pas eu de Borg au 21e, vu que c'est les séries Star Trek et les films, c'était au 20e. Donc au 21e, les films Star Trek, il me semble pas qu'il y ait eu de Borg dedans. Moi, je me trompe peut-être. Allez savoir. En tous les cas, c'est les méchants, quoi. Les Borg, c'est THE méchants. Il n'y a pas plus méchant que les Borg. Salvage team docked. The alien ship is millions of years old. Its purpose is unclear. Research division reports it has developed plans for gravity warping technology based on the alien control field.
We advise commencing research immediately. We have known of this ship, but could never approach it. We are particularly vulnerable to its influence. The Bentusi would like the information you have acquired. It will be transferred automatically if you choose to trade. Mais y a pas de problème, Monsieur Bentusi. Moi, je vous ai bien, Monsieur Bentusi. Alors, comment qu'on fait pour être gentil avec eux? On peut pas? On n'a pas le choix, en fait. Ils nous laissent pas le choix, donc je pense qu'on va être gentil d'office avec eux, de base. The information was successfully transferred. Thank you. The Tidan are determined to destroy us. Will you help us defeat them? Conflict is not our way. We will bring your cause to the Galactic Council. The Tidan rule the Empire, but even they must answer to the Council. Hyperspace module fully charged. Engage at your discretion. Ah, donc il y a un conseil qui peut éventuellement nous aider contre l'Empire qui veut notre mort, parce qu'on a enfreint un traité qui était vieux de je sais pas combien de milliers d'années et qui nous interdisait de partir en hyperespace, de faire des bons hyperespaces en fait, d'utiliser cette technologie là. Et les Bentusi vont nous aider, ils sont contre la violence mais ils vont nous aider. C'est de bonne nouvelle ça. Bon, sympa les Bentusi. Par contre, on les a épatés les Bentusi là parce que on a réussi à avoir le vaisseau là qui était méchant. Mais par contre, ouais, les Bentusi ils sont contre la violence. Bon, c'est pas une super bonne nouvelle ça. Et sur ce, eh ben on va se terminer, la mission se termine, on va pouvoir sauter en hyperespace, et pendant que mes vaisseaux sont en train de se regrouper, de reformer le groupe 6, le groupe 6 qui a été renforcé avec ce magnifique destroyer missile, maintenant j'ai un destroyer et un destroyer missile, donc on verra ça, on verra le destroyer missile peut-être la prochaine fois, dans la prochaine mission, enfin, par contre ça va pas du tout là, parce que du coup il manque deux unités pour faire un petit rectangle là, ça va pas du tout là. Le mec maniaque. Voilà, sur ce, eh ben les gens, merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à lâcher le j'aime, à partager la vidéo. Ça me fait plaisir et c'est comme ça, ça amène plus de monde sur la chaîne. Donc c'est toujours ce qui marche le mieux, tout simplement, que vous en parliez autour de vous. C'est ça qui marche le mieux. Et de dire, ouais, va voir cette vidéo-là de Balrog, elle est trop géniale. N'hésitez pas à le faire, ça, c'est le seul moyen de grossir à l'heure actuelle sur YouTube, donc n'hésitez pas à le faire et à faire connaître la chaîne et à donner envie aux Jean-Edouard à regarder autre chose que ce qu'ils regardent d'habitude. En tous les cas, merci, mettez le j'aime, mettez le commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de l'histoire et tout ça, et n'hésitez pas à vous abonner si par hasard vous êtes tombé par hasard sur la chaîne à Balrog, n'hésitez pas à vous abonner. Stand down. We're on hold. That's everything. Good point.